Sur la frontière américaine ont été notés dès ce matin. Depuis quelques heures déjà, le Québec se sépare physiquement du Canada. Cette nuit, le Québec a commencé la séparation le long de la frontière avec l'Ontario. La séparation s'est poursuivie très rapidement dans le sud de la province sur la totalité de la longueur de la frontière qui sépare le Québec des États-Unis. Bye bye les États-Unis. La séparation de l'Ontario a été complétée ce matin. La glace a brisé au milieu et tout au long de la rivière des Outaouais. Enfin. La colline parlementaire est présentement à peine visible à partir de la rive québécoise. Yes. D'importants prix de glace et de village électrique ont été notés dès ce matin. Le premier ministre du Canada, Robert Graton, va s'adresser à la nation dans quelques instants. Super! Calice de tabarnak! C'est un beau pays, ça, le Canada, que vous avez décalissé là, ma bande de câbles! Le gouvernement canadien Présentement, la température atteint plus 1 degré. Pas de précipitation importante. L'humidité relative est de 65%. La pression est de 99,74 kPa. La visibilité est de 24,0 km. À l'heure actuelle, le Québec a quitté les bords du territoire canadien et flotte dans l'océan Atlantique. D'importants changements climatiques sont à prévoir dans les prochaines heures.